Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know you won't be there. Oh. I feel broke inside, but I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me? Justement, selon un rapport publié aujourd'hui par l'Audace, près de 100 000 enfants ont été maltraités ou en danger l'année dernière. Un chiffre en augmentation que nous détaillent Audrey Crespo-Mara et Jean-Étienne Mac. En France, toutes les heures, 11 enfants sont signalés en danger, soit 97 000 signalements en 2005, une augmentation de 2% par rapport à l'année précédente. Près d'un quart de ces signalements concernent les enfants victimes de violences. Les autres sont plutôt victimes de graves négligences, leur santé, leur éducation sont menacées, leur sécurité en danger. En 8 ans, leur nombre a augmenté de 20%. Les conflits dans le couple, les séparations et surtout les carences éducatives mettent les enfants en danger. Les parents, souvent débordés par leur mission éducative, peuvent devenir maltraitants. Ces enfants passent comme les autres l'essentiel de leur temps à l'école, c'est là qu'ils pourraient être aidés, mais les moyens de la santé scolaire sont insuffisants, comme ceux de l'aide sociale à l'enfance, qui dépend, elle, des départements. Le regard d'un enfant peut tout dire, le pire, le mieux, sans jamais se tromper. Le regard d'un enfant peut tout dire, c'est l'avenir, le passé et le présent. Le regard d'un enfant peut tout dire, la peine, la joie et toujours avoir raison. Le regard d'un enfant peut tout dire. Le regard d'un enfant au présent, c'est son regard sur le futur. Le regard d'un enfant, c'est son regard sur ses parents, sur le monde, en bien ou en mal. Améliorer la vision des enfants sur le monde, c'est améliorer le monde.